je pense me casser pour choisir l'habit pour porter, je n'y arrive pas. I can't do it, je n'arrive pas. Ça, c'est une dame qui m'a offert un tissu, elle venait d'Angleterre, ou de Turquie ou Angleterre, un des deux. C'était tellement beaucoup, j'ai donné à la dame de compagnie là, elle a donné, on a cousu. J'ai fait comme ça la 5, pareil. Vous voyez, je porte beaucoup. C'est 5 habits blancs comme ça, même chose. Ça là, on m'a offert. Je fais très rarement du shopping personnel. Parce que je vais arriver, il y a plein de chaussures, il faut choisir. Parfois, quand je suis à l'aéroport, j'entre dans les magasins parce que je suis dans la salle d'attente, je n'ai rien à faire. Donc, je marche. Mes chaussures que vous voyez, j'achète là généralement. Salle d'attente. Après, je m'ennuie. Je pars dans une des salles là. Je regarde les chaussures, tac, j'achète rapidement. Je porte même dans mes pieds une fois. J'ai économisé le temps. Il y a des choses que la société nous a fait croire que c'est nécessaire et on passe du temps dessus. Trouver ce que tu vas manger. Eh, Seigneur! On mange quoi aujourd'hui? C'est une question que je ne pose jamais chez moi. Début de semaine, parce que mes enfants vivent seuls, faites la liste de vos menus. Envoyez. J'envoie ma comptabilité. Si ce que ça me va, si ce que je vois, vous voulez dépenser là, ça me va. On donne l'argent. Vous vous organisez. Une a sa ménagère là-bas. Elle donne, on prépare. Elle a la ménagère parce qu'elle est occupée. Elle a des choses qu'elle fait. Si elle ne fait pas ce qu'elle fait là, elle entre à la cuisine et ne peut pas, ça nous tue. Moi, non, je n'ai pas le temps pour entrer à la cuisine. Pour entrer, aller au supermarché. Vous savez ce que c'est que de partir faire le shopping pour acheter la nourriture? Si vous pouvez apprendre très rapidement à vos enfants, on ne mange pas aujourd'hui. Mais pourquoi ne pas dire, on gagne combien de millions aujourd'hui? Mettez votre esprit à l'épreuve. Faites travailler votre esprit. Mes chéris, on va se faire combien de millions aujourd'hui? Et les hommes n'aiment jamais répondre à cette question. Depuis 10 ans que tu es marié, tu as demandé à ton gars tous les jours, là, il t'a dit un jour que bébé fais ça aujourd'hui, demain tu fais ça, après tu fais ça, non? Je vous parle des activités qui ne sont pas nécessaires. Les courses de la maison. C'est vrai, on m'a dit non, c'est toi la mère. J'ai un peu dépassé cette casquette-là. Ok? Quand je regarde mon appartement ici, tout ce que j'ai ici, je ne connais pas là où on a acheté. Parce que j'ai pu voir quelqu'un qui sont, elle connaît discuter. Ma dame de compagnie disait là, elle connaît discuter les prix des choses. Elle connaît avoir les réductions. Donc je la laissais pas. Elle filme, elle envoie la liste de 50 choses. Madame choisissait, ta 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 ta, je clique, ta 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 ta, j'envoie, elle achète, elle porte dans la machine, dans la voiture, on vient, on dépose. Parce que le temps là, that period of time, je dois faire des choses. Quand je vous dis, ce n'est pas pour... J'ai compris la nécessité. Il y a une nécessité. Parce que j'ai compris que mon temps, c'est mon argent. Il y a la partie où B, même en t'asseyant avec B, on a... Non, je te rencontre. Dès qu'on parle, les gens veulent voir. On voit là où on part. Donc, il faut encore qu'on s'asseye devant Netflix. On regarde le film. On regarde. Et je pense aussi que dans les relations amoureuses, la priorité, ce n'est pas seulement de faire l'amour ensemble. Non. Si ce n'est que ça que tu fais avec B, think again. Tu peux laver ses habits. Tu peux préparer pour lui. Pour que, dans l'espoir qu'il t'épouse. Et le jour où tu découvres qu'il te trompe, ça te fait mal. Je n'ai pas dit que c'est censé se passer quoi que ce soit. Beaucoup d'entre nous, on se retrouve fatigué. Rien n'accomplit quelqu'un comme le fait de se développer. La croissance. Tu lances une petite entreprise, ça grandit. Ça grandit. Ça t'épanouit jusqu'à... Ça t'épanouit. Tu ressens, tu es contente. Que l'idée que j'avais eue là, oui, ça marche. Il y a des femmes ici, là, vous dépenserez beaucoup d'argent seulement pour avoir un homme. Why?
Vous voyez que vos priorités, quand vous voulez devenir riche, vos priorités doivent être différentes. Très rarement, vous me voyez avec des habits différents ici sur les directs. 45% de mes habits, c'est les gens qui donnent. Parce que moi, si ça ne dépend que de moi, je porte la Bible tous les jours, ou bien le Hondop tous les jours, c'est tout. Le temps d'aller chercher l'habit, il faut laver. Quand je voyage, je ne prends plus les habits d'un endroit à l'autre. Mais je sais que je laisse quelques habits ici à Abidjan. À Libreville, il y a quelques habits. Même chose. Au Cameroun, il y a quelques... Même chose. Le temps qu'on perd pour chercher ce qu'on va manger, pour chercher ce qu'on va porter. Les fêtes. On ne m'invite pas à la fête. On ne m'invite pas à la fête. I don't go to fête. Tu vois, on va porter quoi pour aller à la fête? Même mon propre anniversaire. Oh, ok, mon anniversaire, j'envoie l'argent, allez faire un don dans un orphelinat, voilà, ça les aide, tatac, ok, c'est bon. On parlait des inutilités. Il y a les deuils, comment on dit que c'est le Njanginom, tu viens à ma part, je pars pour toi. J'ai remarqué que ce que les gens aiment le plus quand ils te disent que oh, j'ai mon deuil, c'est pas que j'achète l'amitié ou quoi que ce soit. Je t'aide plus si tu as ton deuil et je te dis voilà 50 000. Ça va t'aider au moins à payer l'habit de ton mort. Ou bien les billets des gens, je sais pas. Plus que si je dis bon, pour moi ça me coûte beaucoup de dire que je vais me déplacer. Et je sais que les papas, mon père fait ça tous les week-ends, il est au deuil de ses amis. Ok, papa, c'est ton choix. Parfois, papa me dit, oui, je vais à Bafoussam. Tu sais, le président de notre réunion, là, sa belle-mère est morte. Je ne suis pas dedans. Je t'envoie l'argent, ma participation que je peux. Je ne peux pas être là le jour-là. Et ceux qui me connaissent, ceux qui sont un peu mes amis, un peu proches, vous savez que ce n'est pas que je ne vous aime pas ou quoi que ce soit. C'est juste un choix que j'ai fait parce que je dois concentrer mon énergie sur ce que je suis en train de faire. Donc, j'essaie un peu de voir les trucs inutiles qu'on fait tout le temps. Les vidéos TikTok, vraiment, vous devez être très, très méticuleux sur TikTok. Regarde, tu te lèves, non? Tu as une idée? Oui, il faut que je... J'ai bien envie de faire ça. Hein. Et il faut que je note mes rêves. Tu arrêtes de chercher Google Keep sur ton téléphone. Par erreur, tu cliques sur TikTok. Tu tombes sur une vidéo amusante. L'énergie que tu avais pour te dire que je dois écrire, on doit acheter tel truc pour vendre au magasin. On doit bouger tel comme ça. L'énergie là se dissipe. Au bout de 4 TikTok que tu as regardé, c'est parti. Du coup, tu perds ta concentration. Le but aujourd'hui, c'est qu'ils veulent nous faire perdre notre concentration. Et si tu dois le faire, il faut toujours avoir dans ton esprit. Moi, j'ai toujours un truc dans ma tête qui me dit, qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais ici? Et je ne veux pas vous mentir, il y a des vidéos qui sont bien. Tu regardes, c'est sucré, ça fait rire. Et dès que tu ris, ton cœur se dilate. I don't know how to say that. Tu n'as plus... Ok, au départ, quand je commençais en course, c'était en 2020. J'avais vu une étude quelque part qui disait que pour se concentrer dans quelque chose, ça prend 20 minutes. Donc, ok, on doit finir le truc sur aujourd'hui. Ok, tu commences. Tu prends 20 minutes avant de plonger dans le cœur de la chose. Et les 20 minutes là, tu peux les briser avec un truc de 30 secondes. C'est pour ça que il y a des mois quand je travaille, je mets tout en mode avion. Je ne veux même pas voir une notification. Une notification WhatsApp qui arrive. Lis seulement. Vois le nom de la personne. Ça te sort de ce que tu étais en train de faire. Surtout les gens qui enregistrent, qui enregistrent du contenu comme moi. J'ai des moments où je fais des vidéos de 2 heures de temps. Des formations que j'enregistre. Ça, il snap you out of it. Tu oublies. Donc, tu dois entraîner ton esprit pour rester concentré. La concentration, c'est l'or aujourd'hui.